de servir le drapeau camerounais jusqu'au sacrifice humain, ils sont dès aujourd'hui des soldats au service de la République du Cameroun. 1891 commandos d'élite du contingent 2017 des bataillons d'intervention rapide viennent d'achever la formation commune de base au centre d'instruction commando des billes de Manawobe. Ici, ils sont présentés au drapeau camerounais. Le général de division Philippe Mpaye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées, préside l'événement. Cette cérémonie va me permettre d'évoquer pour vous les débuts de la République, le rôle du chef de l'État et la valeur des forces de France quant à la réalisation de l'unité de la nation dans la paix, la démocratie et le progrès. D'un effectif de 2100 au départ, les recrues étaient reparties en deux groupements de 1050 recrues chacun, basés à Manawobe et à Bamenda. Pendant la formation, l'on a enregistré 4 décès, 195 radiations et 10 sont ajournés. Un commandant de centre d'instruction très satisfait, heureux du travail qui a été accompli jusque-là. Parce que nous avons eu l'horaire de 100 km, marathon de 42 km et nous avons clôturé avec un raid de 400 km de Bamenda pour Manawobe. Pendant 3 mois, 1 semaine, ils ont été moulés et façonnés. 1891 soldats franchissent ainsi la ligne d'arrivée. Ils sont des commandos d'élite forts et parés. Ils sont passés par le centre d'instruction commando des billes de Manawobe. Ils sont les meilleurs.